Salut YouTube et bienvenue sur le nouvel épisode de Project Fear, l'épisode 2 du Washo Club, celui où ils vont tenter de dormir sur place. L'épisode 1 était déjà excellent, je te le mets évidemment dans la description. L'épisode 2, de ce qu'on m'a dit, il est oufissime. Oufissime, le chat est chaud, si tu veux le rejoindre, t'as les liens dans la description, on est parti, on perd pas de temps. Wouh, je suis trop chaud. Phasmo IRL, c'est maintenant. Let's go, baby. Are you walking towards us? I'm getting chills all the way down my back. Can you step in front of that device on the ground? It'll play music. Go away. Whoa! Hello? Whoa. What is that? Oh my god. Are you kidding me? I feel like we just played a game of hide and seek with a ghost. Ah, vous êtes prêts? Moi, je pense qu'on n'est pas prêts. Ça a l'air incroyable. Cet épisode, il va être fou. Il va être fou. J'espère qu'on m'a pas vendu du rêve. Hein. What is up, everybody? Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Hein. C'est des mecs qui dorment dans des lieux hantés. Je vous rappelle qu'on s'en fout si c'est vrai, si c'est pas vrai. On prend ça pour l'entertainment. On est là pour se faire plaisir, pour se faire peur. Chacun croit ce qu'il veut. Let's go. Alors le Washo Club, Ghost Adventure, ils y sont allés je crois. Mais il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Et faut trouver le canard, t'as trouvé le canard Tutis? Ouais, il y avait des... l'épisode 1 il était bien, il y avait des trucs de ouf quand même. Hein. Ouais, ok. Donc là, ils vont se séparer dès le début et dormir. Ok. Euh... 70 cadavres dans la taille d'un appartement à Paris, tu vois, d'étudiants. C'est ouf quand même. C'est ouf. Kiwi on fire, merci beaucoup pour le 10e mois. Merci beaucoup, Meginata, pour le 3e mois. Pour le sub, 3 mois d'un coup, pardon. Merci énormément. Ah oui, oui, ça c'est vrai, je m'en souviens. Okay. Scotty was a bartender here at the Washo Club and he took his own. Comment ça c'est un nouveau? Oh, oh attendez, je viens recevoir un message de ma femme. Alors, toi qui regardes ça en VOD YouTube, tu n'as pas le contexte, mais j'habite au Japon. Et en fait, comment te dire ça de manière... il pleut sa mère. Attends. Ok, je sais pas si vous allez entendre. Vous avez entendu ou pas? C'est, ça s'est calmé depuis tout à l'heure? Ah ouais, non, mais quand je vous dis... Non, mais les moussons, c'est hardcore. Et du coup, la princesse, t'as pas école. Voilà, c'est tout. Donc, je réponds juste à la patronne. Je lui dis, ouais, t'inquiète. Ok. Got you. Ok, donc la princesse, t'as pas école aujourd'hui. Ah ouais, non, mais... quand il pleut en Asie... Il pleut. Je vous mettrai... Suivez-moi sur Insta, pour l'exclamation Insta ou Mister Thibaut sur Insta. Après le stream, je vais sur mon balcon, je vous filme le truc, ok? Histoire que vous voyez un peu, et puis je vous mets ça en story, ok? C'est pas très intéressant, mais c'est histoire de vous montrer, quoi. Donc la princesse, à mon avis, elle a reçu la nouvelle. Wouh! Moi, quand je me suis levé, à 4h du mat' pour préparer le stream, c'était à peu près peut-être 5h10, il y a mon téléphone, il m'a fait trop peur. Mon téléphone s'est mis à sonner, mais pas la sonnerie de mon réveil, tu vois, une sonnerie ultra, ultra forte. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et du coup, il y avait une alerte sur le téléphone, alerte pluie massive et tout. Et il y a 5 ans, je vous promets, il y a 5 ans, j'étais en train de travailler dans un bar. Il pleuvait comme ça. En 1h30, il y avait 30 cm d'eau sur la route. 30 cm d'eau. On a sorti la planche de surf et tout, on a surfé quoi. En 1h30, 30 cm d'eau, je vous laisse imaginer un peu la dose de pluie du truc. Et c'est pas une façon de parler, hein. T'avais vraiment 30 cm d'eau. C'était un truc de malade, les voitures pouvaient pas rouler et tout. Et pourtant, je suis à Hiroshima, hein. C'est pas la ville la plus, tu vois. Bref. Son fils est décédé. Ouais, bon. Et on retourne à l'épisode. Depuis 2015.
and he is said to still be there today. We were getting responses that led us to believe we were talking to Scotty. For our final sleeping arrangement, we have room 12. This is where over 26 people have been scratched. We don't know for sure what's in there, but we had so much activity in there. Okay. Every word we got in there led us to believe that this is a man. Ah ouais, ça c'était assez ouf. Les mots qu'ils ont eu l'épisode d'avant, c'était assez ouf. Il pleut partout en France, je suis à Avignon, ça fait 10 jours, on est à 35 degrés. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. Et surtout l'humidité et tout. Non, mais c'est horrible. Tu regardes sur quoi l'émission? Sur ma chaîne Twitch tous les dimanches. Alright, we got them all in the bag. Time to draw. I think that, like, Alex, you should drop. No, come on. Oh, Alex. I just think so. Okay, let's go. I mean, it's not up to me. This is a group. No, I think so. You barely ever get to draw first. That's true. It's been a minute, dude. Get in there. Get that room 12 out of the way. No, no, c'est sur YouTube. Get that one out of the way. Yeah, let's go. Room 12, room 12, room 12. Ouais, moi aussi, tu utilises. There we are. Est-ce que Alex tape le pire truc? Ok. Il est refait. Ah, c'est pas mal, hein? Le mec, c'est. Mais c'est pas mal. L'épisode dure une heure. You know what? Let's see Tanner. Oh, God. No! Moi, c'est la crypte que je veux pas. Lui, il va avoir la crypte. I don't like this one. Take one, pump the team. I got the crypt. Bah, je le savais, je suis demain. Oh, okay. Not room 12, but also this room is extremely. La crypte. Comme nom de pièce, il y a quand même mieux la crypte. Hein. But this is gonna be really, really creepy. I mean, I'm quite literally like almost in a cave. All right, you pick. Oh, all right. Let's do Chelsea. Oh my god. I'm gonna do the lucky leg shake. Je pense que room 12 est pire. Ouais, sûrement. S'ils la veulent pas, c'est qu'elle doit être, pire. Oh god. Good luck, Charles. It's 12. Are you freaking out? No. Bah voilà. Dakota, il est refait du coup. I love when you make these like noises that you like. Sound like you feel bad for me, but you're smiling. No, I'm sorry. There's nothing good about this room. It's actually okay. Everything is bad about it. I was actually hoping I never had to step foot in this room ever again. That leaves the ballroom for Mr. Dakota. It's called a ballroom. That's fucking gross. Honestly, freaky okay. As hell. We started off the night in there. Mais à chaque fois, la personne qui se tape la pire pièce, tu vois, c'est celle où il se passe généralement le moins de trucs. Donc écoute. On va voir. Foot walk. No, it's gonna be so, oh, so difficult. Ok, let's go. Ça va le son? C'est pas trop fort? Ok, let's go. What up, gangsters? Ok, tout ce que vous allez voir se passe durant les 4 prochaines heures. Alright, well, I am officially alone. I am in Scotty's room right now. This room definitely has a vibe to it. It's just such a tragic, horrible story. I'm just glad that someone's on this floor with me. Chelsea's down the hall. She's on the complete opposite side of me. But earlier tonight, when we were all up here as a group, we were getting a lot of warning signs about the room. Bien sûr, Black. Bien sûr. Il y a le dôme, par exemple. It was Scotty that was talking to us, but someone in this room was warning us about that. Ça, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Moi, je pense que je préférais être dans le noir complet qu'avec une lampe de poche. Parce qu'une lampe de poche, ça te retourne le cerveau. Ah, je sais pas. Tu deviens parano avec une lampe de poche. Alors que dans le noir complet, bah, t'as pas le choix, tu vois, t'es dans le noir complet. Je sais pas, je pense les. Ouais. Alright, so tonight I am the lucky winner. Ben ouais, la lampe, t'as des ondes, t'as plein de trucs, tu te fais trigger, tu vois. Des bisous, Kelly. And there is an entity that has apparently scratched 26 people in this very room. Just like everything about it is just not good. This was not where I wanted to end up. Worst sleeping arrangement of the night, by far. Je me demande combien de temps il va se passer avant qu'il se passe un truc. So, right now, des jours. Hein. I am in the ballroom. Ouais, tu psychotes dans le noir, mais tu peux t'endormir plus facilement. I am gonna whip out some equipment right now. I'm gonna turn on the music box and see if nice. I can get something to walk into the room. This is a motion activated device. So if something walks in front of it like this, it'll play a song.
À peine creepy. If you can hear my voice right now. Orb. Can you come step into this room? Come step in front of me. Can you make the music box go off? Can you stand in front of this device on the ground? If I'm talking to a man. Ouais, c'est inspiré de Ghost Adventure et de Zack, mais bon, ils sont pas en très bon terme là. If I'm talking to a female, a girl, can you step in front of this device on the ground? Okay. I don't feel like anything is in here with me right now. T'imagines la télé, elle s'allume là? C'est déjà arrivé un épisode où la télé s'allume, hein. Oh, comme c'était badant. C'était tellement badant. If I'm talking to someone who was in the Millionaire's Club, can you step in front of Il était fou cet épisode, il est sur la chaîne secondaire. Hein. Allez le voir, il était fou. Attends, pardon, j'ai pas suivi, il a posé quoi comme question? Can you step in front of this device? Ah, s'il était dans le club des millionnaires. Parce qu'en gros, c'est un ancien club select où les mecs, les millionnaires jouent au poker et tout. Donc c'est un mec. The last question I asked was, are you... Can you step in front of the device if you were in the Millionaire's Club? Can you make a noise in the room I should be in right now? Mais il y a un casque, hein. Are you in the Millionaire's Club around the corner? Ooh. What was that? It's definitely wood creaking. Ouais. That could be explainable. This is a very old wooden building. Mais bon, le timing quand même. Ouais. C'est toujours ça. Hein. C'est toujours les. T'as toujours les explications plausibles et logiques, tu vois. Mais c'est le timing. C'est le timing qui rend le truc creepy. Are you over in the Millionaire's Club where the poker table is? Il pleut sa mère, c'est un truc de ouf. Désolé. Footsteps. Ouais. Where the poker table is? Footsteps. Non mais attends, comment tu peux être Dakota, là, tout de suite, assis sur une chaise, poser une question, demander ce que le mec fasse du bruit dans une salle spécifique, qu'il y ait du bruit dans cette dite salle, qu'ensuite la music box se mette en marche juste derrière, mais comment tu peux rester sain d'esprit et rester ton cul assis sur cette chaise sans te barrer en courant? C'est pas possible! Il y a un moment, t'es humain, quoi! Tu te barres! Footsteps. Attends. Footsteps. J'adorerais faire ça, moi, pour de vrai. Peut-être qu'il a juste accepté la mort. C'est un professionnel. I didn't even ask a question. Did someone just walk into the room? Can you step right there in front of me? Non, mais... Non, attends. Je suis désolé, je parle à la patronne en même temps comme ma fille n'a pas école, mais... Je suis quand même dans l'épisode. C'est moi ou depuis 10 minutes là, à chaque fois que tu lui demandes un truc, le truc le fait quoi. Je veux bien que voilà, ça craque, c'est du bois, c'est machin, mais le timing est fou quand même, hein. Comment tu vas, Kira? Did someone just walk into the room? Can you step right there in front of me?
That was a loud footstep. Hello? Can you step right there in front of me? Je vous ai dit, Dakota, il était refait, il dansait, il était en mode « Ah, j'ai la salle la plus facile et tout !» Je vous ai dit, à chaque fois, ils sont karmatés. C'est la salle où t'as l'impression qu'il va rien se passer, qu'il se passe le plus de dingueries. L'entité, c'est une entité amicale, peut-être. Et c'est pas un mining, ça, c'est clair. J'ai cru que la porte là allait bouger, j'ai failli péter mon crâne. I don't know what that was. I just keep hearing stuff outside of the ballroom. It's not in here with me right now. Ouais, je connais Black. Oh, I'm freaking scared right now. J'aime pas trop les émissions françaises. Ça manque d'entertainment, je trouve. Moi, j'aime bien l'entertainment américain. I'm in the crypt. Salut, this is where the town of Virginia. Vous vous rendez compte, dans cette pièce-là, il y avait 70 corps morts, évidemment, empilés, quoi. C'est un truc de ouf. The dead bodies. If there's anyone here with me, I'm trying to be as respectful as possible. Can you do something for me? Can you make a noise for me? Vous allez sur ma chaîne secondaire, ceux qui veulent la chaîne, point d'exclamation YouTube, et vous allez sur n'importe quelle vidéo react. De ça, et vous avez le lien de l'épisode à chaque fois dans la description. Si jamais vous les regardez sans mon react. Bisous. Merci Stéphane. Where there's other people in there, but they're obviously not paying attention to you. C'était quoi ça? I just thought I heard like a breath, like someone just went. Ouais. Oh. De ouf. Non. Un bruit de respiration? Moi j'aurais dit plus un petit camion en plastique qui fait un klaxon, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plutôt qu'une respiration. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, c'est bizarre comme son. C'est clairement pas un craquement de parquet. I thought I heard you. I thought I heard a breath. If you can hear my voice, can you copy this noise? Quelqu'un peut me traduire bref? Bref, c'est respiration. Merci Gaël. Merci beaucoup pour les bits. Ça avait l'air éloigné un peu. Ouais. Holy fuck. Attends, c'est le compresseur qui se met en marche? On dirait un compresseur. Holy balls! Holy balls! Clac ta holy! Holy balls! Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là. Holy fucking. Holy balls! Oh my god! Des bisous de Jenna. Ok. C'était quoi? Didn't know that happened. Whatever the hell that was would make a big loud noise. On dirait un compresseur. The freaking roof was falling. Oh. Tu m'étonnes, il s'est chié dessus. A really good thing to know. Si ça se met en route toutes les heures, impossible de dormir. On aurait dit un compresseur. Somebody in here with me, can you knock? On the door, knock on a wall. It's pretty quiet in here.
I have not pulled out any equipment yet. I'm just asking questions. Just good old traditional ghost. Elle a toujours son sac sur elle. There's somebody here. Can you make a noise? Can you tap on something? Just let me know that I'm not alone. Une chaudière, ça fait ce bruit-là, tu penses? Can you move something? Can you knock on something? Se prend une tarte. Ok, il sort la spirit, lui. Quand t'as plus de fuel au démarrage. Ok. Ouais, mais du coup, pourquoi elle démarrerait maintenant? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Une VMC, peut-être, ouais. Split fraction of a second on each radio station. So yeah, we're just gonna power this on. Now in SB7 mode. C'est la même que face moi, c'est la tier 2. SB7. Can you talk to me? Do you want to talk to me at all? You tried to warn us earlier about room 12. Do you still have that same warning? Is Chelsea safe in that room right now? Ils parlent tous les deux en même temps. They're looking for you. Ils te cherchent. Are you the only spirit that's in this room, or is there others? Six of them. Visit. Okay. Female. Who am I talking to right now? Is there a female spirit in here? Yes. Me. What's your name? Non, je pense qu'il s'est fait mal. Non, mais attends, c'est là que tu vois que la Spirit Box dans Phasmo, déjà que le son est chiant, mais alors pour de vrai. Something just yelled. Ow! It seems like there's a lot of voices coming through this right now. If I could just get one of you to talk to me, that would be great. Il y a trop de monde sur cette spirit. Okay, this is. I heard kill him and hide. Do you want me to leave this room? Am I supposed to leave this room? Are you talking to me or are you warning me for Tanner, Chelsea, and Dakota? Maybe. Tu peux pas être plus spécifique, s'il te plaît? Salut Alpha. En fait, il y a tellement de réponses à la spirit que tu peux même pas dire. Tu peux pas faire sens du truc, quoi. T'as des voix masculines, féminines. T'as l'impression qu'il y a 10 personnes qui te parlent en même temps. Je vais continuer à poser des questions. Is there somebody here with me? If there is, you can use this device to communicate with me. You can also use knocking, but you cannot scratch me. It is not something that I came here for. I come in peace. Is there anybody here with me? So we are currently all. Je vous ai dit, elle est censée avoir la pire salle, il se passe rien. En tout cas pour l'instant. C'est un truc de fou. How do you feel about that? Different. Oh. Different. Ok, j'ai rien dit. What do you mean by different? Please. Please. Please what? Please. Elle what? Se sent pleased? Glance. Glance, c'est glance. Ah putain, je saurais pas le traduire. Lueur, non? Where? Un glance. Table. Ouais, en fait, il te sortait mon random là. Il joue au Scrabble. Coup d'œil, ouais. Autant. Ok, c'est son Toki qui s'est allumé. What is going on here?
Hello? My walkie just freaked out. Hello? Pas très serein, là. Freaky. Did something tamper with my walkie-talkie? One of the claims here is that technology is definitely tampered with. Ouais, ils avaient ça le premier épisode, je m'en souviens. Ok. Dakota, c'est le plus intéressant pour l'instant. Ok, I'm gonna go and explore the Millionaire's Club. Yeah. I'm gonna leave the music box on, right where it is. J'aime bien quand ils partent en explo comme ça. Ça ressemble au jeu d'horreur qu'on fait, hein. Corner here is the Millionaire's Club. Is there somebody in here? Where the rich, the wealthy, the elite would come. Monsieur, c'est fun, il faut le faire. And apparently a lot of the very shady stuff happened here. That's what it was like. Right here leads to the ballroom. And then right here, I'm gonna spend a little bit of time in that room. It's okay. Kind of the perfect place to be because I'm sandwiched between the ballroom and the millionaire. Ouais, comme ça, il verra s'il se passe un truc entre les deux, tu vois. Alright, I feel like the ballroom definitely slowed down for me. There wasn't a lot happening. So I'm gonna spend some time in here and see if maybe I can get something to come through, something to talk to me. Tu gères, tu dis. If there's anyone in here, can you give me a sign that I'm not alone? Donnez-nous un signe. Hey, Picablou, comment tu vas? On the wall? Ouais, moi je le ferai, moi, bien sûr. Un jour je le ferai. Il y a tellement de gens qui me demandent qu'un jour je le ferai. I haven't gotten anything, but I do feel really weird. Shut the fuck up. Okay. This is not the time. Très bien placé. Ouh. Alors ça, c'est soit un toc, soit un truc qui est tombé. Rien à voir avec un craquement de bois ou un truc, tu vois. That came from the ballroom. If you're in the ballroom, can you step in front of that device on the ground? It'll play music. Non. No way. It stopped. Holy shit! Holy balls! Holy balls! Non mais c'est un truc de ouf! Cette séquence, elle est folle. C'est quoi au sol derrière Dakota? Oh, j'en sais rien, ça doit être des détritus ou... That came from the ballroom. J'aime trop parce qu'il a pas peur, il part direct en mode investigation, quoi. Tu vois? If you're in the ballroom, can you step in front of that device on the ground? It'll play music. No way. Ça a pas joué longtemps, hein. Dès qu'il s'est ramené, pense, ça s'est arrêté. It stopped. Oh, the music box just went off. No way. Grave en Cotter, c'était freaky. Sympa. Ouais. T'imagines, elle se rallume là? You do that again now that I'm in the room? Do it. Il est timide, hein. Il est timide parce que quand il était dans la salle de bal, il faisait des trucs dans le Millionaire's Club. Et là, il est dans l'autre salle, il fait des trucs là. Le truc est méga timide, hein. Nothing happens now that I'm in here. C'est une ombre. Bah oui, c'est une ombre, t'as raison. Okay. That was creepy. At least whatever spirit I'm talking to at this very moment.
Il a pas l'air agressif en tout cas. C'est déjà ça, ça a pas l'air agressif. I think it's actually scarier hearing the music box go off from far away than it is in front of you. Mm. Ouais, c'est pas. Quand il monte le son comme ça, t'entends le grésillement de plus en plus, ça veut dire que le mec te monte le son. J'ai toujours l'impression qu'il va se passer une dinguerie, tu vois. Et ils le font exprès, hein. Ils le font exprès. Ok, il est toujours avec sa spirit, Alex. Ça fait deux fois. What am I supposed to hide from? Is there something here that's not liking us being here? Touching. Are any of us in trouble now that we're separated? Is this not a good idea for us to be separated, knowing that there's some sort of evil spirit, evil person here? Sure. J'adore les réponses qu'il a, quoi. Salut, Katz. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que c'est une voix différente, t'as vraiment l'impression qu'ils sont je sais pas combien, quoi. This is so weird. I mean, I've done spirit box sessions before. There's a lot of different voices coming through, and it's almost like they're competing with each other. Like, I have never seen something like that before, and it's really hard to make out anything that they're saying. If there's one person in here that wants to talk, please come through and make your presence known. You can talk through this device. Just let me know who you are and why you're here. Okay. That was the voice of a little kid. Ça commence à devenir creepy. Hein. Another? Another one. And you are? À chaque, toutes les voix qu'il a eues là, depuis tout à l'heure, c'est des trucs du style moi, lui, qui êtes-vous, c'est lui. Ça parle de quelqu'un en permanence. Cache-toi. My name's Alex. Who am I talking to? Can you give me a name? C'est bon ou il a dit banane? Banane. I couldn't hear that one. What was your name? I need you to give me clear. Oui, Adam, moi aussi j'avais compris Adam, mais pour la joke, tu vois, j'ai dit banana, mais sur la fin j'ai compris Adam, ouais. Parce que ça se dit pas Adam en anglais, du coup, ouais, ça se dit Adam. Donc un truc qui finit en Am, ouais, je suis d'accord. Plus Adam que Sam, mais il y avait un truc, ouais. Elena? Donc pour l'instant, on a Spirit, Abraham, c'est possible. C'est vrai que Abraham, c'est des vieux prénoms. C'est vrai qu'on est, dans quelle année, Washoe Club, quand il était ouvert? C'était quoi, 1910, un truc comme ça, non? C'était plutôt début 20e ou c'était plutôt 19e? Je sais plus, mais Abraham, ça sonne bien comme un nom dans cette période-là, aux États-Unis. On est après, on est plus... Ah, 1940 peut-être? 1940, 1950, un peu plus tard. Mais même dans ces périodes-là, en vrai, Braham, par rapport à l'époque, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas déconnant. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose de déconnant. Sylve, merci beaucoup, Sylve44, pour le quatrième mois. 1875. Bah, peu importe, en vrai. Hein. Moi je trouve que c'est pas déconnant, Braham. C'est une bonne idée. 24 minutes de Spirit Box. Là, déjà, en 2 minutes, j'ai plus d'oreilles, j'en ai ras le cul. Oh là là. C'est un jeu IRL, c'est du phasmophobia IRL. Comment tu vas?
Scotty, are you in here with me right now? Êtes-vous une pizza? If you can hear my voice, can you make a noise somewhere? Okay. So, I do have the REM pod. This device le REM pod, okay. Radiates electromagnetic. C'est dommage qu'il sorte plus l'Ovilus. Moi, j'aimais bien l'Ovilus. It'll go off. All right, so the REM pod now is placed and is right behind me where this okay. ball was. So if anything touches it or walks past it, it should go off. Okay. Let me know. I'm just gonna set this ball right here. And if anyone's here and wants to move this ball, you certainly can. Ouais, mais moi je préfère le Vilus au PS Device, tu vois. PS Device, c'est sketch. Can you tell me more about yourself? Why are you known as this dark entity, this me? Mesdames et messieurs, on a quasiment fait la moitié. Why do you hurt people? Do you hurt people because they provoke you? Do you hurt people because you don't like them? Mark. Alors, il faut savoir que Mark en anglais, ça peut être une insulte aussi. Like you a Mark, you a fucking Mark. Ça, j'ai pas la traduction exacte. Il y en a des anglophones dans le chat, n'hésitez pas. Mais il me semble que Mark, ça peut être utilisé de manière péjorative. Marking them? Ça veut aussi dire Mark, hein, évidemment. Why do you need to mark them? Scream. You mark them so they scream. You like to see people scared. Ouais, moi j'aimerais bien Pixmel. Ça pourrait être cool. Moi je suis ouvert d'esprit. Hein. Enjoy getting a rise out of people. Par contre, moi je te préviens tout de suite, je fais ça à l'américaine. Ah, je fais pas ça à la française. Tu m'invites dans un truc comme ça, le grand gilet m'invite. Oh, oh, il se passe un truc. What the fuck was that? Mais vraiment, hein, moi c'est à l'américaine. Ah ouais, t'en as pour ton argent. Ah ouais, c'est pas en mode. Oh, attends, j'ai entendu un bruit. Ah ouais, ouais, ah ouais. Surenchère, baby, let's go. Hein. Ah ouais, non mais à fond dedans. Tu te mets à fond dedans, Dakota style. Ah mais bien sûr. Hein. Are you okay with me sitting in here for the rest of the night? Ah ouais. Bah après, pas non plus pour me foutre de la gueule et de sortir du truc, tu vois. Mais histoire de rester quand même bien dans le truc, ça pourrait être trop bien. Ça pourrait être trop bien. C'est ça qui manque en France. C'est ça que j'ai... Le problème, c'est qu'en France, on est trop premier degré, tu vois. Les gens, ils prennent pas en compte l'entertainment. C'est, en fait, ils sont trop... ouais, pour être RP, quoi. Will I be safe here? Will I be okay? Ouais, voilà, naturellement dramatique, un truc comme ça, tu vois. Pas en mode, ouais, j'ai cru entendre un truc, à chercher un truc logique, tu vois. Non, juste en mode, oh putain. En France, on s'emmerde un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'emmerde un peu, quoi. C'est vraiment, tout est vraiment terre à terre, machin. On en oublie le côté fun et entertainment du truc, je trouve. C'est dommage. Parce qu'il y a vraiment des lieux de fous en France, hein. Ça peut les énerver et te suivre. Ah bah après, ça dépend. Après, si t'y crois pas, tout ça, quoi. Like you'll let me stay here. Oui. What happened? What made you? Ah, Planche Ouija, par contre, Planche Ouija, il faut me payer. Autant tu me mets dans une salle dans le noir avec un truc, un objet, on fait le con, on discute, il y a des bruits, voilà. Par contre, Planche Ouija, non merci. Planche Ouija, par contre, faut aligner le chèque. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Planche Ouija, c'est pas un délire que j'ai. The way you are. Did somebody wrong you? Where did this negativity come from? And if I'm ever saying too much, please warn me before doing anything physical. Please warn me. Mais à mon avis. Why did you T'imagines, elle se fait griffer. Dead. C'est toujours une réponse que t'apprécies, ça. Dead. Depuis qu'il y a tes gênants et tout, que ça a tourné partout, tout le monde est premier degré. J'ai pas trop compris ta phrase, Berry Sky. Alright,
in my hands is a digital recorder. I'm going to be asking some questions. Okay. And they said that spirits are able to speak in frequencies that we can't hear, and this is a great device to be able to pick up on those frequencies. Rolling on the digital recorder in the crypt of the watch. Non, j'ai pas encore trouvé le canard. Is there anyone here with me? Do you have a name? The name. Can you tell me it? I just got so cold. Oui, il va se passer un truc. I just want to note right now that I just heard some footsteps. I just heard footsteps. Are you coming closer to me? I'm gonna play this back now. I want to see. Non, non, je vois pas le canard. C'est pas le canard ce qu'on voit à droite. Non, je pense pas. Il parle d'expression. D'accord. C'est une expression que je connais pas du coup. J'attends avec impatience un jeu d'horreur de ce type, mais avec les nouveaux moteurs graphiques. Bah, The Huntings. Mais ça fait 2 ans et demi que je l'attends. Ça fait 2 ans et demi que je l'attends. Something shift in here. Ok. Il y a eu un truc. What is that? Oh, on dirait un mec qui ouvre la porte tout doucement, tu vois. Holy bra. Il y a eu un petit cri dans le truc et ensuite. What is that? C'est chelou. On a raté le canard, et bah YouTube, tu nous diras si tu l'as vu, mais nous on a raté le canard. Yo. Va voir, mec. I don't know what that is. I don't know if that could be rain, but okay, hold on. I just heard footsteps. Are you coming closer to me? Yes. Yes. Attends. Après, t'entends un peu ce que tu veux, hein, mais ouais, c'est très net. Ok. I'm gonna do another recording. I don't know who I'm talking to, but I could hear you through this device. I know that you're in here with me. I'm not alone. Bon courage. Ça parle, hein, ça parle vite fait, hein. Nothing on that one. Bah, je sais pas, moi j'ai entendu. Mais bon, on comprend rien. I got a yes 100%. I'm not alone. I know that. Parfois c'est flagrant. Le I remember Tanner, il était fou cet épisode. Mark, c'est quelqu'un de simple qui se fait avoir facilement. Ouais, voilà, merci. Bah écoute, vous irez voir la VOD, hein, pour si on a loupé le canard. Vous irez voir la VOD sur la chaîne secondaire. C'est du Phasmo dans la vraie vie, ouais. Et il se passe des trucs de ouf. All right, well, I did bring the spirit box with me. I'm gonna use that one. Ah, okay. Lui aussi va tenter la spirit. Whoever's in here, whoever can hear my voice, I'm about to turn on something that you can use to talk through. Can you tell me your name? Ouais, c'était une voix féminine de ouf. Des bisous les mises. Why should I leave? Am I talking to the man who said he was killed here? I will tell. I would tell? Comment tu vas, Matt? Tell what?
On est à la moitié de l'épisode déjà, il s'est passé quelques dingueries avec Dakota. How were you murdered? What do you want me to know about what happened here? There is flag. Flag? Something, I don't know what that said. Les... Ils ont tellement de réponses à la spirit, c'est... tu n'arrives même pas à faire sens de ce qui est, tu vois. See the camera. What? Where are you right now? Look out. Who should look out? Here. Are you... Tu peux être plus vague? What's your name? Something there. I'm about to turn this device off. Do you have a final message for me? Anything you think I should know? Vous avez une dernière parole. C'était un paix ça, non? Sorry? What are you sorry for? Mais ouais, ça fait peur, c'est trop bien, moi j'adore. Beaucoup de voix. Il n'y avait pas vraiment de réponse intelligente. Ouais. 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 Ok, on a dépassé la moitié. Elle a toujours rien, Chelsea. Hein. Elle a eu un dead, mais... If there is something or someone in here, can you let me know that you're still here? Sure. Sure, darling. Y a pas de souci. Tu veux prendre le thé? Tu veux les petits gâteaux? Et le truc, il répond comme ça du tac au tac, quoi. But you're still here? Sure. Sure. Well, thank you. Mais ce n'est pas comme ça qu'on beurre la biscotte. Laissez-moi vous montrer. Oh, Chelsea, vous êtes vraiment une mécréante. Pardon, excusez-moi. Des fois, je me tape des délires tout seul, chat. Mais dis donc, mais reprenez donc un peu de Holly. Oh, mais dis donc, cette daiquiri est d'une goûtance. Mes papilles gustatives en sont... Ouh, tout en émoi. Pardon, excusez-moi. J'ai envie de faire tout le reste du live avec cette voix. Oh, Lucrafty, merci beaucoup pour son follow. Merci d'avoir fait l'effort de d'engayer ma journée. Ah, ça y est, j'ai chaud. Putain, excusez-moi. Ben ouais, mais je vais pas streamer pendant une semaine. Il faut bien que je raconte des conneries en avance, tu vois. Ah. Engayé. Non, mais ça veut rien dire, c'est égayé. Non, mais je sais, calmez-vous. Regardez, même Chelsea, elle est choquée. Mais qu'est-ce que tu racontes, bougre? You're still here. If there is something or someone in here, can you let me know that you're still here? Sure. Oh, putain. What? Well, thank you. Are you willing to talk? Je me fais pleurer tout seul. I feel like there's someone here, but you're not really wanting to talk to me. Did I do something wrong? Am I asking the wrong questions? Are you annoyed when people come into your room? T'imagines, il répond, shut up. Fermez votre clapet. Am I on the right track here? Do you not want to communicate with me? Would you rather do something else? Elle devrait changer d'objet. Elle a clairement pas de réponse. People see shadow figures everywhere in this place. I'm like, merci Ruby, tu gères. You can come into this room and move this toy ball on the ground. If you can move this ball, that would be amazing. That would be a room and move this toy ball on the ground. If you can move this ball, that would be amazing.
Je me retiens de ouf. Hein. Dude, I don't feel good right now. I just feel. You want to play with my balls? Putain, cet épisode, il était incroyable. Can you move this ball for me? Par contre, s'il le fait vraiment, c'est ouf. Hein. I mean, I know that this is... Ouais, c'est ce que j'allais dire, le REM pod. So that's the temperature. Basically, what that means is there's a significant drop in temperature right around the REM pod. Now just walk over here and move this ball that's on the ground right in front of me. You don't have to be shy. I know it might be hard for you to move objects, but if you can move this ball, just even a little nudge. Arrête de dire ball, sérieux, je suis sûr qu'il le fait exprès de le répéter en boucle. Just to let me know that you're here and willing to try. Oh, it's definitely starting to rain again. Okay. There's a il pleut pareil chez moi. Right behind me, on this wall. Attends. There's a red light right behind me, on this wall. J'ai pas bien entendu. Are you walking towards it? Ah là, par contre, j'ai entendu. Tac, tac. Comme si ça courait un peu, tu vois. Is that you, Scotty? Is that someone else? There's options in here for you. Touch that red light, the antenna on it, move this ball, make some sort of noise. That rain is coming down hard now. I mean, if you want, I can take photos too. Will you appear in a photo if I start taking them? I'm gonna try. All right, I'm gonna take some photos. I just want you to appear in these for me if you're here. Whoa. Bah, prends la photo. Wow. You can step in front of this light. Attends. On aurait dû une empreinte ici. You can step in front of this light right here. People have caught. Ouais, c'est creepy où ils sont quand même, hein. In photos. Just step near that red light. C'est pour le follow. I'll look at these and see if okay. I got anything. Ouais, le jour où un truc où on va voir un truc violent sur une photo, on va devenir fou, je pense. Nothing. Ok, il est 5h20 du matin. Back in the ballroom, still have a music box sitting on the ground. Mais il y a eu des épisodes où il y avait des trucs sur les photos. Hein. Surtout Ghost Adventure. People who have been here have gotten shadow figures in their photographs, so I'm gonna try that as well as having the music box on. Can you show yourself for me in this room? Non, il faudrait que je le fasse au cahier. J'ai jamais vraiment pris le temps. Oh, il sort les dots! Ah non, ok, rien à voir, c'est la lumière infrarouge du téléphone, je pense. Ah, oh, je m'épose, moi, je regarde. Hein. All right, I just took non, il n'y a rien. Photographs. I'm gonna review this right now and see if I captured anything. Ouais, ouais, Ghost Adventures, ils sont déjà allés il y a un moment. Ouais. I haven't had anything happen in a while. Il va se passer une dinguerie. Ça fait trop de temps qu'il se passe rien là. I know that I'm not alone. Can you give me? Juste assez pour te foutre la petite tache dans le caleçon. I'm not alone. Can you give me? Merci Marie pour le cinquième mois. Tu régales. Merci beaucoup. My flashlight just died. Mais non. My flashlight just freaking died. Il appuie vachement vite, hein. Right when the music box went off. My flashlight is dead. What the hell? Okay. Ah. It's back. All I did too was just take the batteries out and put them back in. Orb.
C'est un mimique. Tu sais, il reste au moins une dinguerie là dans l'épisode, je suis sûr. Si t'es encore là et que t'es pas couché, c'est qu'il reste une dinguerie. Oh god. Can you do something else to get my attention? Ouais, ouais, voilà, voilà, j'adore. Il y a tous ceux qui ont déjà vu l'épisode qui répondent. Ok. To scare me? Oh, mais vous l'avez tous vu ou quoi? En fait, j'ai un peu trop peur que les gens nous arnaquent. Alors, d'habitude, on parle pas vraiment de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça. Je vous ai dit, nous, on est là pour l'entertainment, on est là pour, tu vois, chacun croit ce qu'il veut. Tu veux y croire, tu veux machin. Moi, perso, j'y crois très moyen, je reste ouvert d'esprit. Mais moi, c'est l'entertainment qui me fait kiffer. Mais je rebondis ce que tu dis parce que j'ai un peu ce même sentiment. Je trouve que Destination Fear, c'est vraiment l'émission paranormale. Ou même si tu y crois, mais pas du tout dur comme fer, il y a, je sais pas, il y a ce côté vlog, ce côté amateur, ce côté petit truc, tu vois, que j'aime énormément, qui t'aide et tu te sens pote avec eux et tout. Et ça, moi, ça me met comme dans un film d'horreur, tu vois. Un film d'horreur, je sais que c'est faux et pourtant, je suis à fond dedans. Bah là, j'ai vraiment ce petit sentiment avec Destination Fear que j'aime beaucoup. Et le côté vlog, ça fait tout, tu vois. Le côté, bah, il n'y a pas de prod, il n'y a pas de chaîne de télé. Oui, Project Fear, mais Destination Fear, oui, c'était filmé pareil au final. Mais à la, tu vois, c'est ça que j'aime bien, moi. Donc, il y a ce côté un peu, tu te sens proche de Dakota, tu vois. Quand il est dans la pièce en PLS, t'es avec lui. C'est ça que je kiffe, moi. Ça reste du divertissement, qu'on y croit ou pas, tu vois. Ça, c'est pas le débat. Ça m'intéresse pas de parler de ça, parce qu'on le saura jamais, tu vois. Mais c'est vraiment ce petit côté proximité, vlog, entertainment que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que c'est ma série préférée. Merci beaucoup pour le follow. Merci énormément. Ouais, tu vois, il y croit pas du tout, je dis bon, et il adore regarder Project Fear. Donc, après, chacun son. Tu vois. Puis c'est pas poussé, tu vois, c'est pas poussif, rien du tout. C'est les mecs qui vivent les trucs. Ils se mettent à fond dedans comme nous, et puis ils se font plaisir. Quoi. Moralité, prenez-le comme vous voulez. Mais gardez-le pour vous. Do you not know how to make your presence known? Well, since not a lot of stuff has been happening to me right now, this would be a great time to tell you guys Fear Club. The Fear Club. The Fear Club has exclusive content. Allez, fais ta pub, Tanner, fais ta pub. It's got bloopers, just funny things that happen on the road that we can't put on YouTube. We do monthly podcasts. L'adrénaline, mais oui. So much more. Fearclub.com. Fear Club, je crois que c'est 5 ou 10 $ par mois et puis vous avez accès. Des fois, ils mettent des caméras live aussi. Quand ils sont en train de faire des expéditions, ils mettent une caméra dans la pièce live. Vous pouvez regarder, c'est assez cool. Je crois que tu dis, ça avait été déjà tombé dessus une fois ou deux. Pour moi, à l'inverse, je suis croyante, j'adore faire les liens. Ouais, non, mais le but, c'est de se faire kiffer. Après, vous avez votre manière à vous de vous faire kiffer, chacun à sa manière. Mais ils sont quatre. En fait, ils sont cinq. Ils sont quatre à la caméra. Et puis, tu as Connor qui aide Dakota à faire le montage et qui conduit la bagnole aussi. Ils ont deux bagnoles. Mais voilà. Mais Connor, on le voit jamais. On le voit très rarement. Quoi. Il a fait une enquête une fois parce que Chelsea était blessée, je crois. What? Hein? Attends, il s'est passé quoi? T'es tombé sur une caméra, sur une story Insta, dehors, posée sur un chemin la nuit. Ok. Avec quelqu'un qui gueule au loin. C'est chelou ça. Si, il y a un petit point lumineux là. Où il y a ma souris, au-dessus de ma souris. Attention, go. Tu as vu? C'est la première fois que je vois ça. Là. Juste au-dessus du cadran, regarde. C'est chelou. Chelou.
Le défi des 40 games, non, je l'ai pas fini. Je vous explique après. Est-ce que c'est un reflet de la lumière du REM pod, peut-être? C'est très étrange, je vois pas trop ce que c'est. Pour le défi de Phasmo, tu dois parler des 50 parties sur Point Hope. J'ai décidé, mesdames et messieurs, de faire... donc on avait 40 parties, tu vois, restantes. On a fait 10 parties en professionnel, donc il nous en reste 30. Je vais faire ensuite les 10 prochaines en cauchemar, les 10 prochaines en une preuve et les 10 prochaines en zéro preuve. Voilà, histoire qu'on débloque avec la manière. On va faire ça, ça m'a l'air sympa. Ou alors je remplacerai le sans preuve par un autre objectif. Enfin, tu vois quoi. Changer de défi toutes les 10 games. Réussi. Excusez-moi. Storm's freaking me out. Is there somebody in the hallway? I feel like something or someone is just standing out there. I do not know. Vous remarquerez que c'est la seule dans le sac de couchage. Hearing things. Is there somebody in the hallway? I just like sense that there is something outside in this hallway. And I can't explain why, but it feels like there is someone just standing outside this door. Avec la pluie, c'est difficile à dire, tu vois. J'adore quand les mecs se font ban auto, tu vois, par le bot. Et elle a toujours le sac à dos dans le dos, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va bouger. Il y a la balle qui va bouger, la porte dans la chambre de Chelsea qui va... Il va se passer un truc. Mais un truc, un gros truc. Un truc qui va bouger, je pense. Is that all right with you? Whoa. I'm here moving in the hall. Des fois, ils réagissent trop vite, on n'entend pas. I hope you don't mind. Is that all right with you? Whoa. Ouais, vite fait. I'm here moving in the hallway. You in the hall? Can you come into this room? I heard someone just walking out there. Can you do that again? Un rat, je sais pas, le bruit était assez lourd quand même, ça avait l'air. Whoa. Ouh. C'est bizarre avec la pluie, c'est difficile à dire. Des bisous, Estia. On se voit à la Japan. Ah bah c'est une bonne façon de tester vos écouteurs, cette émission. Y a pas de volet, je crois. Ok, ça sent la dinguerie. Ça sent la dinguerie, là. Oh, je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié. Oh, ils vont se faire peur. Ils vont se faire peur l'un l'autre. Oh, les cons. Ils vont se faire peur l'un l'autre. Oh, ils vont s'entendre quand même. Hello? Yo. What up? Okay. I'm just kind of walking around seeing what's up here. Like I thought I was hearing a little bit of walking though in this hallway. Wait, me too. That's why I came out here. Yeah, like there's nothing out there, but I like kept hearing small footsteps out here. Me too, and I felt like whatever it was though wouldn't enter my room. Same. Weird. Like are you walking towards us? Is there somebody over here with us in the hallway? Hey, je comme moi, Phasmo, la caméra avec le trépied. Tu sais, tu l'avais sur le trépied, petite balade avec la caméra, tu vois.
J'arrête les streams juste une semaine parce que je vais en France à la Japan Expo et puis après je streamerai depuis la Japan Expo. Donc la Japan Expo c'est du 11 au 14. Mais oui, oui, elle est comme nous sans facement avec le trépied attaché à la caméra. Par contre, le moment où il lui dit c'est derrière toi, ça c'est flippant. Hein. Is there somebody over here with us in the hallway? Oh la dinguerie. Guess. Le truc, il parle pas depuis une heure. Et là, il lui dit, vas-y, devine. Guess. Will you just tell us who's in this hallway? Les câbles sont infrarouges, ouais. Besides you. Shy. Timide. Shy? Okay. Definitely not talking to the guy in room 12 then. You don't have to be shy. C'est un PS device. Walking out here. En fonction des changements de fréquence, ça sélectionne un mot dans un dictionnaire de 10 000 mots. I've been hearing you all night out here in the hallways. Who are you? Almost sounds like a kid saying guess, like hide and seek. There's supposed to be a little kid spirit here. Do you want us to come find you? All right, we're gonna come find you now. But if we find you, you gotta let us know we're getting closer. Are you in this room? You don't need to be shy. We're really nice people. Can you make a noise? Map? La carte? Can you give us a hint? Bunny. Lapin. Is there like a stuffed animal? No. Could be. Is that a hint? Are you by a bunny? Oh putain, Tutis. Jeez. Ça va être le moment où il se passe un truc. I don't see a bunny in here, but I see a lot of other animals. Are we getting closer or farther away? Attends, c'est quoi cette histoire de SCP Shy Guy là? J'ai pas la ref. Pour moi, Shy Guy, c'est une chanson merde, comment elle s'appelle? Une des meilleures chanteuses de tous les temps. Merci beaucoup pour le follow. Shy Guy. Ah putain, comment elle s'appelle? Je sais plus. C'est quoi son pouvoir? Oui, non, mais je sais ce que c'est. SCP, calmez-vous, mais c'est quoi son pouvoir? Vous dites croisez pas son regard, mais du coup, c'est quoi son pouvoir? Diana King. Merci. Je crois que c'est ça. C'est quoi son pouvoir du Shy Guy? Parce que tu peux pas le regarder, sinon il se passe quoi? Bah j'ai compris ça, mais il se passe quoi? C'est un SCP qui devient fou quand on voit son visage. D'accord. Ok, voilà, c'est ça que je demandais. Même en photo. Ah bah je connaissais pas. Comment tu vas, Black? Tu vas bien? Il te court après si tu crois son... Ok. En gros, il te tue si tu le regardes, quoi. Si tu vois son visage. Ok. Et il s'appelle Shy Guy. Ok. Il casse tout jusqu'à te tuer. D'accord. Merci pour l'info. Oh, les animaux comme ça de nuit là, c'est flippant ça. Are we getting closer or farther away? Ouais, par contre les SCP je kiffe. Je connais juste pas cette SCP en particulier. Did you say map before? Yes. There's a map of Virginia City. Non. Okay. Dis pas qu'il y a un lapin. Oh my gosh, I would just be so like shocked. Ils vont trouver un lapin. In this room? I'm gonna set this down so I can. Wait, bro. Nuh-uh. I'm not kidding you. Il y a un lapin. Bunny on the ball. Look at this. There's a bunny right there. Holy brow! My God, you. Il va bouger la boule. Okay, the fact it gave us two words, map and bunny, and this is a map, and there are bunnies on this ball. What if the doll ball is the ghost? Like, what if... For real? That doll could be its vessel. Did we find you? Is this... Are we right? Si ça bouge. Saying anything. It's like we found her. You cannot tell me that is not the craziest coincidence. Like, there's no way. There's no way that's a coincidence. Come on. I mean, even when we walked in here, it was like, oh, that's a map. That's kind of weird. That's strange. But a bunny on that ball. Are you in this doll right now? What?
Oh my gosh. Quoi? I've never gotten that good of responses. No. Like, whoa! What? Ah putain, attendez, il y a la patronne qui me parle, mais c'est pas le moment, bougresse, je suis en plein dans le truc là. Pardon, excusez-moi. Non, mais... c'est pas le moment, patronne. Mais non, mais vous me voyez taper depuis tout à l'heure, je suis en mode des... comment finir la conversation le plus possible. Et puis là après, t'as la meuf qui est en mode, c'est une meuf hein. Mais pourquoi tu me parles aussi sèchement? Putain, mais je suis occupé. Pardon, excusez-moi. Pourquoi t'essayes de finir la conversation le plus vite possible? La patronne, non, jamais on lève la main. Mais on fait bien comprendre qu'on a envie de finir la conversation. All right now. Ah bah attendez, c'est ouf là cette scène. Oh my gosh, I have never gotten that good of responses. No. Like, whoa. What? Did you just get touched? Yes, I swear. It was gentle, was not harsh. It was like this. Le pesto, patron. I'm not kidding you. Wait. Like, comme un enfant, like a kid. It's okay if you did. Possible. Did you just want to see if it was possible to actually physically touch her? You can do that. You can do it again. Do you like this room? Do you like being in this room? Now that we're in here, what do you want from us? I almost want to like, I don't know, phone, like take pictures. Do you have your phone? Je sais pas ce qu'ils ont avec les photos cet épisode là, mais il va se passer un truc. Ils prennent trop de photos pour qu'il se passe rien. Oh, c'est creepy. Oh, c'est... Attendez, la miniature YouTube. Miniature YouTube. C'est pas mal ça comme miniature YouTube. Et puis... Can you stand by Chelsea for us? Oula. Okay. I feel like we found you. I'm looking at these photos. Weird. Peut-être, hein. Are you still next to us? Are you still in this room? En gros, si tu le vois, tu deviens fou, ouais. Et merci, Peyton. Weird, that was... I'm still not over it. Like, we were both drawn out of our sleeping arrangements because of, like, faint noises. Par contre, j'aime bien le fait qu'ils restent pas juste dans leur pièce, tu vois. À se dire, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois, vraiment, les mecs, ils vont dans le truc, tu vois, ils bougent. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Tu t'entends un bruit, tu vas voir ce que c'est. We definitely did. Il reste 10 minutes. Il reste que 10 minutes, putain. Autant les 20 premières minutes, j'ai trouvé qu'elles étaient longues, tu vois. Elles sont intéressantes, mais autant les 30 minutes qui viennent de se passer, j'ai rien vu passer. Truc de fou. Okay, well, we're gonna head back to our sleeping arrangements now. That's definitely the first time I've ever played hide and seek with a ghost. That was really strange. Il faut qu'il laisse la caméra. Laissez la caméra. Head back to our spots now. Finish. Okay. We're all done then. All right, well, you know how to get us back out here if you want to play again. All right, well, I'm gonna head back. All right, good luck. You too. Wild. Heading back into my spot now. That was super weird. T'imagines la balle par terre, elle était plus là. Like both of us got drawn out into the hallway. We thought something wanted to play hide and seek, and it actually gave us hints. Putain, le coup du lapin et de la map, c'était assez ouf quand même, hein. I don't even know. Parce que c'est deux mots qui ont rien à voir. Blowing my mind right now. Okay, I'm back in room 12. C'était une dinguerie. Is there somebody in here with me now that's willing to talk? C'est fini, Tutis, ou il reste encore... There's totally a cold sensation on my inner leg. And I still feel... Ouais, j'aurais bien aimé qu'il laisse du matos dans la pièce. Une caméra, tu vois. Sur le rocking chair avec la poupée, là. Hello? Oula. Hello? Okay. Are you back outside my door again? I hear you.
So strange. So strange. Tu vas, Mathéo? I'm getting chills. Like, all the way le pauvre, il est enfermé dans un truc de 3 mètres carrés, quoi. Is that you again? Is that the way you show that you're here? Alright, I'm gonna try to do a digital recorder session one last time. Rolling on the digital recorder for the third time. Bah lui, il se sent vraiment clairement tout seul, quoi. I'm gonna ask some more direct questions, some more personal questions. I hope you don't take offense to it. I want to ask you. Et ouais, lui, il a rien à explorer. Ouais. Il a absolument rien. Il est obligé de rester toute la nuit dans la pièce. Ouais. T'as raison, tu dis. Moi aussi, il pleut. L'enjeu obscur. Bon, tu vois. Pleut de ouf au Japon en ce moment. That you'd like me to warn her about? Merci pour le follow. Est-ce qu'il va se passer une dinguerie avec Tanner? I hear get out. Run. Wow! Alors là, c'est clair. C'est clair. Clear as day, comme on dit. Hein. I hear get out. Ouais. Run. I hear get out, run. Tanner for Chelsea? Ça te dit on get out Chelsea? Tanner for Chelsea? Il marche plus son toki. Are you there? La base antivirale a été mise à jour. Pardon. I don't know what to do. I mean, Alex is up there, so she does need help. She has someone to run over there quickly, but... Comment il fait pour rester là après avoir eu ça, quoi? Mais non, mais j'arrive pas à pas dire de conneries. Tu vas bien, l'ange? T'arrives sur la fin, désolé. Ah, elle s'est endormie, elle a fait tomber le... J'avais pas fait gaffe. Okay. Rester dans le noir sans dormir toute une nuit, c'est dur. Hein. Ça doit être 6h30 du mat, là. 6h du mat. Alors, il fait plein jour au Japon à 6h du mat, et là, tu vois, il fait... Ah, cool. Something just moved in the hallway. Hello? Can you make that noise again? Do you want to walk into this room? You can come on in. You don't need to be shy. You can walk in. Shy this is guy. Your area. I'm just a guest right now. If you want me out of your area, out of your space, just go ahead and touch this little red light over here. Touch the ball. Si la balle bouge, ce serait le truc le plus ouf que j'ai vu, je pense. Un des trucs les plus ouf. Not getting a lot on the music box on the ground right there. I'm gonna keep it on, but I'm also gonna try the spirit box. Il reste 4 minutes. I don't have much longer in here. The sun is coming up. Can you give me one last message? Touch my ball. Just said help us. How can I help you? Just need to breathe. Something free. How can I help you? What's wrong?
Don't something. It's fine. Don't worry, it's fine. Do you know how you passed away? Est-ce que tu sais comment tu es mort? Well, I'm gonna be leaving. I'm getting out of here now. Thank you for talking to me tonight. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Apéro, t'imagines, il sort apéro. Tutis devient chasseur de fantômes. Turning that off. Such a creepy night. We had so much happen, but now the sun is. Et comment s'est passée ta chasse ce soir? Ouais. Très sympa, entité amicale, plus qu'amicale. Check this out. Okay. Not only is the sun out, but it's freaking creepy out there. Look at the fog. Mais j'avoue, ça fait trop Silent Hill. All right, let's get out. Le moment le plus fou pour moi, c'était la map et le lapin. Je trouve ça ouf qu'il ait sorti les deux mots d'affilée. Enfin, map et lapin, quoi. Bon, il n'y a rien qui a bougé, malheureusement, mais l'épisode, il était vachement bien. Putain, il y a des moments... T'étais tendu. Le map et lapin, c'était fou. Ouais. C'était fou, j'étais à fond dedans. I don't know, it was just like it came in waves where I'd have like nothing happening. Right. But then all of a sudden like stuff would happen and it didn't feel like I was alone. It just felt like a lot. Behind you, Chelsea, j'avoue que ça m'a donné les frissons aussi. Quand Alex il a dit ça. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous faites point d'exclamation YouTube dans le chat, vous avez le lien de ma chaîne secondaire où je réacte. Ça, c'est la troisième saison là qu'on regarde, où je réacte à la première saison, à la deuxième saison. Si c'est un truc que vous avez kiffé, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Si vous voulez voir les vrais épisodes sans mon react, vous avez le lien de la vidéo dans la description de mes vidéos react, justement. C'était ouf. Il était vachement bien. En tout cas, pour l'instant, la saison 3 commence bien. Putain. J'ai hâte de voir la saison en Angleterre, là. Normalement, la prochaine saison, c'est en Angleterre dans quelques semaines. Hein. Convenu et prévisible, vu que c'est une émission. Mais qu'est-ce que tu racontes? À quel moment tu peux sortir une carte et un lapin dans la même phrase? Trouve-moi une salle où il y a une carte et un lapin, tu vois. Après, les VIP, oui. Je trouve ça ouf aussi, mais le coup du lapin, le coup de la carte... Merci pour le follow metal, mangaka. Sérieux, tu dis, putain. Est-ce qu'ils vont nous parler de leur voyage en Angleterre ou pas? C'est des enquêteurs pro, yes. T'imagines si un jour ils viennent faire au Japon? Ah bah j'y vais direct. Ok. Réveil dans une heure. Non mais les mecs, faut aller vous coucher. Moi je triche, il est 9h du matin. Et on n'a pas trouvé le canard. YouTube, si t'as trouvé le canard, faut que tu nous le mettes en commentaire. Tu mets une petite balise spoiler devant, évidemment, mais tu nous le mets en commentaire. Mesdames et messieurs, cet épisode était trop bien. Il était trop bien. C'est les vacances? Bah pourquoi tu travailles dans une heure alors? Il était trop bien. Si jamais évidemment t'as kiffé, t'as les épisodes précédents dans la description et sur la chaîne secondaire, n'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne secondaire, à t'abonner à la chaîne principale et puis à venir nous voir en live. Voilà, je te fais des gros bisous, tu me diras ce que t'en as pensé, puis tu me diras si t'as trouvé le canard, parce que moi je l'ai pas vu. Des bisous YouTube.